mariage hier. Qui a raté? Oh, on va faire ralenti pour toi. Ralenti. Qui a raté? Mais seulement la nourriture là, là tu ne peux pas voir ça. Sinon, ralenti là, tu vas voir. Mais le côté où il y avait le poulet là, c'est des poutres à passer. Gloire à Jésus. Alors, vous savez que dans le processus du mariage, il faut toujours avoir le signe et la confirmation que le Seigneur te dise, cette femme, c'est elle. Cet homme, c'est lui. Si tu n'as pas cette confirmation et que tu te laisses influencer par ton entourage, par des personnes autour de toi, et que tu te vas t'attacher dans un mariage, sache une chose. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était le mariage. Adam n'avait pas, il n'avait rien. Même moto, il n'avait pas. Vélo, il n'avait pas. Adam, il n'avait zéro. Il était surveillant général du jardin d'Éden. On dit, donne-nous un lion. On dit, toi, tu étais lion. On dit, donne-nous un lion. On dit, toi, tu es panthère. C'est ça qu'il a fait. Quand il a fini de faire ça, Dieu dit, ah, quand Adam s'assoit seul, il voit un lion qui s'en va vers la lionne. Il cause. Ils sont ensemble. Même Vérité s'en va vers son camarade. C'est lui seul qui était là, assis, lui seul. Dieu dit, hé, hey, mon enfant, là, il fait pitié. Il dit, Adam, viens, dors. Il a levé le côte. Quand il s'est réveillé, voici Ève qui est devant lui. Quelqu'un n'a jamais vu, il a commencé à faire poésie en même temps. Adam, je n'ai pas compris son affaire là. Il n'a jamais vu Ève. Premier jour, il la voit. Os de mes os. Amour de moi, amour. Les paroles poétiques là, sortaient comme ça de lui. Donc, la première bénédiction que Dieu a donnée, c'est le mariage. Mais le mariage, on n'a pas dedans pour sortir. On n'a pas dedans aussi pour s'amuser. Ceux qui ont fait le mauvais mariage, quand ils sont entrés dedans, actuellement là, ils cherchent à sortir. Mais ceux qui sont entrés dans le bon mariage et qui ont entendu la permission et le signal du Seigneur, actuellement là, ils ont envie de faire pisser des mariages. Anne, David, actuellement vous voulez qu'on recommence encore, notamment que c'est tout. Alléluia. Donc, les hommes, vous allez vous préparer, vous allez venir ici. On va aller chercher David. On va l'envoyer ici. Les femmes, vous allez aller chercher Anne. Vous allez les envoyer ici. Alléluia. Parce que là, là c'est leur heure. C'est la faveur qui est descendue sur leur vie. Maintenant, si tu n'es pas content, si tu n'es pas content, il faut partir à la maison. Mais si tu es content, il faut acclamer le Seigneur Jésus. C'est ton acclamation de rang. Donne une acclamation au Seigneur Jésus-Christ qui est rempli de vitamines. Hé, mon père. Là, tu vas applaudir plus que nous tous ici. Rémi, toi, tu es célibataire. Depuis là, on n'a pas encore appuyé ton numéro. Quand c'est comme ça, tu dois acclamer jusqu'à toi-même, tu as mal à la main. Et quand c'est comme ça, le Seigneur dit, hé, hey, ma fille, oui. Vraiment, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme ici. Je dis, toi, tu aimes savoir, il y a un homme ici. Que Dieu va bénir. Attends. Si c'est toi. Attends. Célibataire, même, vraiment, c'est pas la peine. Regarde, elle a eu son mari. Vous les laissez aller transporter chaise là pour venir. Et puis toi, célibataire, tu es assis. Mais vraiment, célibataire, même. Faut dire célibataire qu'on est rien. Alléluia.
J'aime savoir. Les hommes, sautez. Les hommes, vous connaissez la position. Les hommes, vous connaissez la position. À l'angle là-bas. Les femmes, venez en même temps. Le père est déjà parti. Les femmes, venez ici. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Les femmes ici. Voilà. Et fais-le savoir. Fais-le savoir. Et ici, ce que Dieu a béni. Si c'est toi, fais-le savoir. Oh, il y a un homme ici, ce que Dieu a béni. Si c'est toi, Jésus, fais-le savoir. Il y a un homme ici, ce que Dieu a béni. Si c'est toi, fais-le savoir. Si c'est toi, je dis, fais-le savoir. Oh, dans ta manière de danser, Les hommes, venez ici. Vous êtes filles garçons. Ça, venez ici. Voilà. On ne fait pas qu'on vienne ici. Vous avez vu. Alléluia. Viens, David. Commence la vie, où sont Dieu. David. C'est chaud, hein. Comment il nous Jésus. Hey. Les hommes, regardez ce que vous allez faire. Regardez. Aujourd'hui, là, non. Les femmes, là, doivent comprendre qu'on s'amuse pas. Non. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de gras. Face n'est pas face. La poussière, là, doit vous confier, on vous voit plus. Vous allez faire le marié. Vous allez venir tourner, lui, tu sens. Venez vous positionner ici. Pour qu'il regarde sa chaise, là. Et pour l'envoyer là-bas. Amen. Mais, Yeri, moi je vous fais confiance. Moi je vous connais. Yeri, c'est quoi le chercheur aujourd'hui là? Allez. Venez, 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 venez,
Thank you.
messieurs. Jérémy, les femmes, c'est tout phase à gagner. Phase à c'est fini. Jérémy, phase à gagner. Jérémy, les femmes, là. Phase, vous avez fait push, là. C'est ça qu'il y a là. Ah, ça, c'est pas fini. Ça, c'est introduction. Ça, c'est pas pour nous blaguer un peu, quoi. Avec que c'est les hommes qui ont gagné. Acclamez les hommes, les hommes. C'est les femmes qui ont gagné. Bon, si ce sont les femmes qui ont gagné, les femmes acclamez le Seigneur Jésus. Ah, on voit que ce sont les femmes. Gloire à Jésus. Bon, où est le petit micro là? Micro. Seigneur, tu vois des enfants qui se marient. Shalom, shalom, mon Dieu. Et fais suivre que ça suive. Et. Attends, tu vois ça? Aujourd'hui, c'est le jour de son jour. Voilà. Mon Dieu, assieds-toi, assieds-toi. Non, il ne faut pas faire comme ça. Mon Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Sa voix même, dans sa voix même, il y a, tu sens même que c'est rempli d'émotions. Que le Seigneur te bénisse. Écoute, amen. 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 Yari, écoute, écoute. Quand ils n'étaient pas à la mairie, qu'ils ont dit, voulez-vous prendre pour épouse? Et puis ils ont commencé à dire tous les noms. Et puis t'as dit quoi? T'as quel le maître a demandé, t'as dit quoi? T'as dit. Amen. Eh, c'est Amen, t'as dit là-bas. Tu n'as pas dit oui. Oui. Ah, il a dit oui. Comme toi, tu n'étais pas là-bas. Bon, le oui, il a fait là-bas. C'est ta part qui est là. Moi, si toi, tu es célibataire aussi. Fais le Seigneur, de toute façon, il a dit oui. Là. Faut faire moi aussi, on a quand même dit oui. Alléluia. Bon, faut lui donner le micro, voilà, Seigneur. Ah, ferme le feu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment tu te sens? Dans la joie. Dans la joie. Oui. Et Dieu se sent dans la joie. Et puis là, acclamation de joie. Ça, c'est l'acclamation de joie de l'homme. Oh, il y a Jésus, il y a les joies. Oh, il y a la joie, il y a les joies. Oh, comment tu te sens? Oh, comment tu te sens? La joie est dans mon cœur. La joie est dans ton cœur. Ah, acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Bon, oh mon Dieu. C'est vrai que les parents sont venus, on n'a pas pu, ils ont beaucoup de programmes, mais ce qui est sûr, nous on vous célèbre. Gloire à Jésus. Mais oh mon Dieu, l'affaire là, ça a commencé comment? Et puis vous êtes tourné jusqu'à ce que vous êtes venus, et puis aujourd'hui vous êtes sortis dans la mairie, vous êtes sortis dans d'autres, et puis on a tenté de danser pour vous. C'est quitté où? Ça a commencé comment? Non, c'est toi. Hey! Aujourd'hui, là, c'est toi qui es. Il veut tout dire maintenant. Quitte le soleil. Il dit quitte le soleil, tu t'éloignes. Viens ici. Jésus. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Attends. Cri de victoire. Jésus. Il a dit, les hommes là, vous savez comment vous faites confiance jusqu'à demain, non? Donc, quand il cri de guerre comme ça là, les pages peuvent quitter. Alléluia. Faut dire quoi? Cri de guerre. Jésus. Voilà. Cri de guerre. Jésus. Voilà. Cri de guerre. Jésus. Voilà. Cri de victoire. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Oui. Oh, yeah. Amen. Les hommes, ça, non, vous n'avez pas acclamé. Ne jouez pas à nous ici. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ses serviteurs. Ah. Dieu. Comment ça a commencé, puis tu l'as vu, et puis ton frère, ton cœur a commencé à faire nyeke, puis on est arrivé ici. Comment ça, tu faut nous donner, c'était comment? Alléluia. Amen. En tout cas, je dis merci à Dieu. Amen.
un jour comme ça, j'étais là. J'étais dans mon travail. Bon, d'abord même moi, c'est Covid à vie. Donc, je fais la ferronnerie, André Château. Ça, c'est pour les milliardaires. Hein? Donc, j'étais là. Fort, là. C'est toi qui fais ça. J'étais là, et puis, chaque homme me dit. Elle passe. Elle passe pas. Ah. Bon. Si elle passait tout de suite là. Donc, j'étais là, chaque midi, quand j'ai fini de donner à l'argent à mes apprentis, maintenant, moi, je prends ma moto, il y avait un petit moto, 4e. Donc, je m'avais tourné un peu pour chercher quelque chose à manger. Et comme ça, Jésus. Donc, à côté de moi, il n'y a pas de micro. Alléluia. Donc, je disais, un jour j'étais là, maintenant, moi je fais la ferronnerie, André Château. Donc, chaque midi, quand j'ai fini de donner l'argent à mes apprentis, moi, il y avait une moto 4e. Donc, bon, je commence à tourner un peu pour cesser quelque chose à manger. Et quand il quitte dans mon atelier, deux pas de mon atelier, il y avait un dépôt de boissons. Mm-hmm. Donc, comme il faisait chaud, on était dans le monde. Donc, il a dit, ah, aujourd'hui là, il est venu prendre une bière. Une bière. Une bière bien glacée. Ah, à ce moment, tu n'étais pas encore chrétien, quoi. Non, non. Bon, il était encore dans catholique. Il était catholique. Donc, fait. Tu n'étais pas chrétien. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, il a garé moto et puis je suis rentré. C'est ça, il est vie. Elle faisait quoi là-bas? C'est elle qui gérait un dépôt là. Jésus. Jésus. Jésus vous a enlevé loin de. Donc, il a demandé que. Comment on appelle elle? Elle est quand même servi. Et comme ça, elle m'a servi. Quand elle m'a servi, et puis, elle a tourné dos, elle a commencé, elle partait. Il a regardé, il a dit. Tu as regardé le téléphone derrière. Il a regardé derrière. Et tu fais cacher, regarder. Tu te caches pour la revoir. Bon, d'accord, tu t'es caché, tu l'as vu. Il l'a vu. Puisque moi-même, d'abord, même, j'étais avec une fille baoulée, il avait fait un câble à côté de moi. Mm-hmm. Mais. Ce qu'il a vu là, chez moi là-bas, boisson qui est là-bas, c'est comme là-bas là, c'est pas doux. Donc à chaque fois, quand il descend à midi comme ça, c'est dans le dépôt là, il vient prendre, comment on appelle le boisson, avant d'aller manger. Donc c'était pas boisson là même qui t'intéressait. C'est l'homme qui envoie boisson là. Ouais. Uh-huh. Donc, c'est ça. Alléluia. Le témoignage. Comme ça, je suis parti à la maison, deuxième jour, il y a mon ami qui était avec lui au quartier. Je lui ai dit, ah, hier là, il est parti manger, je suis arrivé dans le dépôt là. Ce qu'il a vu là-bas là. Tu ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Hey. Donc, c'est ça, il m'a dit, d'accord, comme moi aussi je vais au chantier, lui c'est un carolais. Mm-hmm. Lui, il m'a dit, donc si c'est ça, le soir, on va aller voir ce que tu m'as dit là. Ce que tu as vu là, moi aussi, j'allais voir. Voilà. Donc, vous deux, les deux copains, le soir, vous avez passé vos bagages, vous êtes partis là-bas. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Le soir, quand il est descendu, il est venu me trouver. Et ça, on est parti. Donc, on a commandé deux bières. Quand elle allait s'asseoir,
Il est marché sur mon pied de mon ami là, il lui a dit que ah, okay, voilà ça. Hein. C'est elle qui est là. Hein. C'est elle qui est là. Hein. Donc, c'est même qui est vit avec à la maison. Bon, il y a trop de discours vraiment. Si tu peux m'aider, vraiment. Tu vas acheter. Voilà. Tu vas raisonnement de païen. Tu vas raisonnement de païen. Païen a pris quelqu'un d'un contrat bouche à bouche pour mettre chez lui à la maison. Et païen dit, comme un baba trop. Il cherche à acheter celle qu'à la maison pour faire entrer une autre. Faut pas entrer dans les compromis comme ça. Faut dire feu sur les païens au nom de Jésus. Oui, allons-y. Donc, c'est ça. Quand on a fini de boire, on a appelé. On a changé un peu avec elle. Elle parle pas bien, elle parle bien. Non, elle parle pas bien. Elle nous a dit que quand elle est venue au quartier ici, comme c'est un grand dépôt même, et puis. Quand elle est venue, un mois après, elle nous a dit que vraiment, que ici, là, ceux qui viennent boire ici, à chaque fois, c'est les grandes personnes, ceux qui ont l'argent. Donc, vous les petits-petits, là. Voilà. Donc, nous les allez, petits, là. Vous allez faire quoi qu'elle n'a pas encore vu. Voilà. Donc, c'est ça. Il a dit, on a fini de prendre nos billets, puis on est parti. Donc, tu connais les grands-grands et tu connais les petits-petits. Tu vas nous dire qui t'a appris ça. Donc, après moi, je suis revenu au dépôt pour la dire que vraiment, nous, on a des familles baoulées. En tout cas, nous, on est beaucoup, au nombre de au moins 13 personnes, qu'on va venir te saluer pour que tout le monde ait qu'à te connaître le samedi qui vient. En même temps. En même temps. Tu es allé chercher un village, tu n'as qu'à venir la voir. Mais elle t'a pas dit oui. Elle n'a rien dit, tu t'en vas inviter les gens. Non, depuis, ouais, au commencement, je suis en train de prévenir, comment on a, je fais signe à mes gars suivent, puisque c'est même qui à la maison, déjà, on s'attend pas, et puis on a, c'est pas à cause de c'est la main. En tout cas. Toi-même, tu voulais l'acheter. Discours-là, c'était trop. Donc, il parlait quand on venait en groupe maintenant, et ça, il a dit, ah, vraiment, quand on va finir de causer aujourd'hui, essayer de causer un peu avec elle, vraiment, pour me soutenir. Vraiment, deuxième jour, je suis venu, quand je suis venu avec mon ami, je lui ai parlé un peu que, ah, vraiment, moi je veux marcher avec toi, que c'est pas musulman. C'est vrai, vrai même. Donc, c'est comme ça que tu as dit, non, ouais, c'est vrai. Que c'est vrai, vrai même. Voilà. Donc c'est comme ça, quand on est venu, elle aussi, vraiment, elle nous a bien accueilli ce jour-là, elle l'a préparé, comme il a dit que la famille vient. Tout de suite là, elle a préparé. Ouais, elle a préparé un peu pour nous attends, donner. Attends. Premier jour, tu la vois. Deuxième jour, tu invites les gens. Troisième jour, elle prépare. Non, c'est pas troisième jour. Il a donné rendez-vous une semaine. Donc, d'accord. Donc, pendant la semaine là, c'est là-bas, il mange en même temps, il est parti boire là-bas. Là, donc, tu t'acquittes même plus l'argent que tu déposes là-bas. Ah non. Ça sent son nom. Quand il est venu de prendre pour moi, il l'invite, elle dit non, ok, c'est bon. Souvent aussi, quand il est venu de boire, et puis il veut prendre ma moto, il la donne l'argent, elle dit bon, non, ok, elle n'est pas là pour ça. Elle dit elle prend pas. Elle dit elle prend pas. Elle dit ah. Quand il arrive à la maison, il dit, ah, on dirait ce que je pense là, vraiment, hein. On dirait, c'est pas ça. On dirait pas me refuser. Ouais. Donc, c'est ça. Mes amis là, ils m'ont dit, avec mes soeurs, Baoulé là, ils m'ont dit, que ah, si vraiment tu veux rester, tu as fait du sourire avec elle, vraiment, nous, on va t'aider. À chaque fois, si un parmi nous passe là-bas, on va essayer de la saluer, et puis bon. Ensemble, on va voir comment on va faire. C'est-à-dire, ils vont faire comme si c'est déjà les belles soeurs, quoi. Voilà. Donc, les parents, là, vous avez les techniques. Vous venez en groupe, un à un, pour changer la mentalité des gens. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Maintenant, il y avait ma soeur qui était. Il fait, on habite dans le même coup. Elle a dit que de laisser, que comme elle est les femmes, en tout cas, de laisser affaire à elle, elle va gérer ça. Je dis d'accord. Ah, toi, tu es soutenu, hein?
Donc, je comprends pourquoi les hommes là t'ont supporté comme ça. C'est pas aujourd'hui on te supporte. Donc, comme ça. Là, là, je vais plus trop là-bas encore. Tu as laissé, hein, qu'a fait. Il a laissé. Souvent, je passe là-bas et fait au moins une semaine, je ne passe plus là-bas. Mais vraiment. Mais attends, tu as technique, hein. C'est-à-dire, tu viens un peu, tu vois, puis après, tu coupes. Voilà. Comme ça, elle te cherche. Souvent aussi. Là, c'est technique de parrain. Là, c'est pas ce que tu as fait, hein. Alléluia. La journée, quand je la vois, elle vient payer. On prenait Gaba à côté de lui. Quand elle vient payer manger, comment il arrive à Zouka. Mais elle ne te voit pas. Elle ne me voit même pas même. Donc tu te caches pour la voir. Je me cache. Dès que je la vois naître là, et puis je viens m'asseoir dans mon atelier, il arrive à Zouka. Donc tu fais cacher, regarder. D'accord. C'est comme ça. Je lui ai dit que. Ah, vraiment, on a trop tourné. Moi-même, je vais m'approcher d'elle. La parler, ce qui se passe. Vraiment, on a trop tourné parce que. Dans un mois ça ne va plus. Ton cœur ne peut plus supporter. Voilà, donc, je ne peux plus supporter. Donc, et ça, je suis allé la voir. Je dis vraiment. Tu as pris ton courage. J'ai pris le courage maintenant. Ce jour-là, tu marchais comment? Ta bouche tremblait quand tu as commencé là. Non. Ton cœur battait fort. D'abord même là, quand j'ai pris ma moto à midi, j'ai dit non, quand j'ai fini de manger aujourd'hui, je vais dire tout ce qui est dans mon cœur, et puis on prend ma moto maintenant, puis il me retourne. Voilà. Donc, j'ai fini de manger maintenant, c'est ça, il l'a appelé, il dit, ah vraiment, si tu vois que le frère même qui a fait le dépôt, c'est mon frère Agni, mais il ne vient pas trop ici comme ça, hein, c'est à cause de toi même qu'il vient ici. Et vraiment. Ah, moi, j'ai fait du sourire avec toi. Hein. Donc, c'est ça. Elle m'a dit, bon, que comme il a dit comme ça, qu'on va voir. Une semaine, je passe là-bas. Souvent, elle vient au travail. Souvent, quand elle n'est pas là comme ça, elle dit, ah, dans mon cœur là-bas, elle dit, ah, elle n'est pas venue aujourd'hui. Le jour, elle me donne rendez-vous que si je peux passer là-bas à midi. Je viens, souvent elle est là, souvent elle n'est pas là. Je dis, ah, ok. Ça te fait mal. Ça me fait mal. Parce que, je dis, ah, si c'est ça, donc, de la manière à faire, à commencer là, peut-être. Ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Donc, ce que je vivais avec à la maison, elle avait perdu sa main, et puis elle est partie au village. Quand elle est venue, elle a salué la famille en bobo, et puis. Quand elle est venue, elle n'est pas venue. Ce jour-là, quand elle est venue, il y avait un discours. Moi et puis elle. Jusqu'en matin. Donc matin, en tout cas, elle a essayé de pousser mon front. Donc, en tout cas, j'ai dit qu'elle a frappé même ce jour-là. Donc c'est comme ça, les gens, mes voisins, ils sont venus m'attraper. Et puis, moi, j'ai pris ma moto, mes matériels, je suis parti. Je viens le soir, elle a ramassé tout ce qui est dans la maison, elle est partie. Elle dit, ok. Il a fermé la porte en même temps, il a dit, ah, donc il m'a vu où il est vu là, au dépôt là-bas. Le pain dans sa stratégie, dans ses œuvres lucifériennes. Donc, c'est ça, je suis arrivé là-bas. J'ai commencé à causer avec elle. Elle m'a dit que aujourd'hui là tu es calme. Hein. Souvent je pense un peu comment ça va se passer. Je dis oh, ok, il n'y a rien. Donc c'est comme ça. On est dessus. Un peu. Je cause avec elle, je passe, il la salue, il passe, il la salue. Donc. Deux mois est passé. Ah. Et ça, un jour, je suis venu encore. Il a donné l'argent. Il dit que elle n'est qu'à préparer pour me garder. Elle dit non, qu'elle ne prend pas l'argent comme ça, que, comment on appelle, elle met un travail, donc elle se débrouille pour elle. Elle dit d'accord. Donc, le lendemain, je partais au marché avec ma moto, et puis, elle n'est pas venue au travail. Je passais. Quand je suis arrivé devant les couloirs, je me suis arrêté, je l'ai salué. Elle dit, que David, que aujourd'hui, là, si. Il y a eu un petit temps que
comme elle est à la maison. Donc il est passé là-bas, je suis arrivé. Attends. Là, elle était, elle n'est pas au travail. Non, elle n'était pas au travail. Elle là, maintenant, elle est à la maison. Elle est à la maison. Comme tu ne la vois pas, tu as fait semblant comme si tu... Si tu promets, tu allais passer devant sa porte là-bas. Pour aller voir si elle est là. Et puis tu l'as vu. C'est ça, je l'ai vu. Et puis elle a dit quoi? Elle a dit que... Aujourd'hui, je l'ai salué et puis je lui ai dit qu'il n'était pas venu au travail là-bas. Elle a dit qu'elle n'est pas partie au travail aujourd'hui. Je lui ai dit que ce que tu es en train de préparer là, elle est venue manger un peu après. Elle dit ok. Donc, j'ai fait un tour pour aller me promener un peu de temps. Je suis venu. Tu n'as même pas duré. Je n'ai même pas duré en tout cas. Donc, je suis venu, elle a fini de préparer. Bon. J'ai mangé un peu, moi, et ça, je suis parti. Et c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Mais maintenant, comment vous allez quitter dans Païen et vous allez arriver jusqu'à la Jésus? Ça s'est passé comment? Donc, d'abord, même, c'est ça, il disait que moi, j'étais catholique. Donc, elle est évangélique. Donc, elle m'avait invité dans l'église que de venir, on va faire veiller. Je suis parti et puis... L'église là, c'était où ça? L'église là, c'était collé où elle habite là, entrée là-bas. D'accord. Donc, je suis venu, ils ont prié pour moi, c'est ça, elle m'a dit que... Matin, elle m'a dit que voilà son église qui est là. Donc, désormais, s'il y a le temps, okay. Je peux venir, on va prier ensemble. À cause des femmes, tu as changé l'église en même temps, vite, vite. Donc, dimanche qui suivait, je suis allé prier avec elle. Donc tu vas plus tôt. Non, il venait un peu, comment on appelle, à l'église catholique. Souvent même, il l'invitait là-bas une fois. Elle est partie là-bas une fois. Maintenant, les autres jours maintenant, les dimanches qui viennent maintenant, il est déménagé dans mon église. Hein. En tout cas. En fait, tes intérêts sont ailleurs. Donc la conversion a commencé comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça on était dedans. Mm-hmm. Elle dit, comme on a fait pratiquement un an dans l'église, situation que tu m'as dit, ta situation, c'est toujours la même chose. Donc, elle avait perdu son travail où il est croisé là. Elle a eu un autre travail. Elle dit, elle est partie au travail là-bas. Elle prend les livraisons. Donc, ils font les livraisons. C'est ça, elle a dit. Qu'elle a trouvé une église, elle a entendu beaucoup de témoignages que si elle descend, qu'on n'est qu'à aller chercher l'église. Donc, comme ça, quand elle est descendue, je lui ai dit. Je me suis apprêté même. Je dis, d'accord. Parce qu'elle ne t'a pas encore dit oui, fini, fini. Non. Donc, tu es toujours dans ton projet. Voilà. Donc, partout où elle t'envoie, tu vas. Partout, il a commencé à me promener un peu dans les quartiers. Bon, souvent, il appelle qu'on n'est qu'à faire sympa. Donc, si elle dit, on s'en va dans l'église, toi, tu t'en vas passer ton intérêt avec elle. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que les bien-aimés, vous pouvez les convertir. Vous pouvez les convertir. Claire. Vous avez vu, elle est en train de convertir le pain. Hein? Donc, vous trouvez l'église maintenant? On a trouvé, on est venu chercher l'église là. Jusqu'à on n'est pas trouvé, on partait à la maison. C'est ça, on a trouvé un groupe au niveau des marchés, Coco Vico. Mm-hmm. Ils sont en train d'évangéliser, ils faisaient 20 heures, beaucoup, beaucoup. C'est ça, il a envoyé qu'un n'est qu'à aller leur demander, n'est qu'à donner le nom d'église là, que si c'est vraiment c'est ça. Donc, elle est partie, elle allait causer, elle a tombé sur. La sœur Bénédicte. Avec Emmanuel. Donc, après, on l'a salué et puis ils ont causé avec elle que c'est quelle église vous êtes en train de chercher. Elle a causé avec eux. En même temps, c'est ça, ils ont dit que nous sommes l'église au réveil international, que nous sommes en évangélisation. Que l'église que vous êtes en train de chercher là, si vous n'êtes pas vu, on va donner votre numéro. Je sais que, en tout cas, de la manière où vous êtes en train de se promener la nuit là, vous êtes à la soif de Dieu vraiment. Donc, c'est ça, on a pris le numéro.
C'était un vendredi. Mm-hmm. Le lendemain, on a appelé ce numéro-là. Église qui est à côté de nous là. Rapidement, on s'apprêtait maintenant. Et puis, bon. On est parti. On est arrivé à l'église. André Château. Ils étaient vers, à ce moment, vers Nouveau Chile. Vers le Nouveau Chile. Donc, quand on est arrivé là-bas, vraiment, j'ai dit, dans mon cœur là-bas, j'ai dit, mon âme est dans la joie comme ça. Donc, elle aussi, elle a commencé à danser avec eux. Moi, il y avait un peu la honte, mais vraiment, l'église, vraiment, ça m'a trop marqué. Donc, comme ça, on a fait culte là, qu'on a fini, et puis les bien-aimés, les Emmanuel avec Abraham, qui est parti à Kanyoua, nous a approché pour dire vraiment que voilà comment ça se passe. Il dit, on nous a donné ce que Dieu aime, Dieu n'aime pas. Il dit, d'accord. Quand on partait à la maison, il a dit que, on dirait, dans notre église qu'on partait là-bas, là, que c'est pas ça, que ici là. Il a trouvé Dieu ici, qu'on va venir rester ici maintenant. Et puis c'est comme ça que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on est parti. Comme il nous a dit, si on n'est pas encore marié, qu'on ne devrait pas vivre ensemble. Ah, situation, là, c'est devenu compliqué. Quand il a dit ça. Ouais. Et lui. Si vous n'êtes pas marié, voilà. Vous ne pouvez pas aller ensemble. Voilà. Ton cœur est coupé en même temps. D'abord, quand la fille que je vivais avec elle, quand elle est partie, le propriétaire est venu, donc il est venu prendre son terrain. Et puis, je suis allé prendre une autre maison. Je dis, ah. Là-bas, quand je suis allé prendre une maison, j'ai fait 6 mois. Tu es seul. J'étais seul. Et puis. Mes affaires, tout est bloqué. Donc, quand on a connu l'église, il appelle Emmanuel, soit il appelle Abraham. Abraham me dit qu'il faut donner ta vie à Dieu, que Dieu va faire. Et lui, à chaque fois, quand il vient chez elle, il dit qu'à l'église, vraiment, c'est devenu, c'est trop dur. Hein? Que Abraham dit les conditions sont difficiles. Que Ça va aller. Il dit, à quel moment? Donc elle me dit non, qu'en tout cas, là-bas, là, en tout cas, on n'a qu'à continuer d'aller. Qu'en tout cas. Donc, on a abandonné dans notre. Puisque c'est une femme qui prêche là-bas. Elle nous voit, elle dit non. Vous avez venu chez moi, vous n'avez pas fait un an, vous avez déménagé dans une autre église encore. Elle dit, nous, c'est où nous on s'en va, on sent mieux. Que vraiment, actuellement nous on est à la recherche de Dieu, vraiment. Tu es dans un coin, tu as fait au moins 10 ans, ça va pas, 3 ans, ça va pas. Et les femmes là même, quand ils prennent ça, au moins un mois, vraiment, discours, elle va partir, il dit, bon, si c'est ça, comme on nous a dit ça, il n'y a pas de problème, on va rester dans l'église. Hein. C'est comme ça, on est laissé. Donc il lui a dit que c'est vrai que ça va pas, on dit si on n'est pas marié, pourquoi on va vivre ensemble. Comme on n'est pas moyen actuellement, moi aussi c'est chaud sur moi. Donc ma maison même il est pris même, je n'arrive même pas à payer même. Donc il est venu rester ici avec toi en attendant qu'on va trouver la solution. Tu vas rester avec qui? Il va venir rester avec Anne. Chez elle. Chez elle. Aïe. Donc, mais on dit dans l'église là que vous ne pouvez pas vous mettre à sa femme comme vous n'êtes pas marié. Et c'est là maintenant que tu dois te mettre à elle. Donc, maintenant quand tu es parti, quand je suis parti, c'est ça, elle a dit que ce que les hommes de Dieu là, on nous a dit là, que vraiment, on est obligé d'accepter, hein, que vraiment, ici là, si tu veux rester avec moi, vraiment, moi, il aime me chercher, il aime te laisser la maison, que vraiment, moi, il aime me chercher. Non, attends, tu n'as pas bien dit. Moi, je connais une ici, là. Si c'est elle, elle va dire, faut venir même
Maman, je suis seul ici il y a longtemps. Mais elle a dit quoi? Elle dit, non, si tu viens rester avec moi ici, hein, parce que moi, c'est pas à cause des garçons que moi, je n'ai pas parti au ciel, que elle va me laisser dans la maison. Je dis, en comment? Et puis, c'est comme ça que tu attends le Seigneur Jésus. Reste l'acclamation. Ça, c'est pas acclamation. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, donne bonne acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Toi, dans la souffrance là, toi, tu cherches ta solution pour t'approcher d'elle. Donc, tu rentres, tu vas rentrer chez elle, et puis tu vas sur le fait accompli. Quand vous êtes là, vous êtes déjà. Là, on est déjà dedans. Maintenant, je suis venu rester à côté d'elle. Je dis, voilà ma situation. Comme je n'arrive pas à payer ma maison là, que vraiment, c'est pas facile. Donc elle dit, moi je te laisse ici, que moi vraiment, comme on a connu l'église, moi je vais aller rester à Bassam. Il dit, donc si c'est ça, on va aller dire à ton nom qui est à côté ici que tu vas aller rester. Elle dit, non, qu'elle va aller rester à Bassam. J'ai dit, d'accord. Donc elle est venue tout le temps qu'elle était à Bassam ici, quand il vient. Bon, c'est bonjour, bonsoir, vraiment. Quand il est arrivé, il a dit, moi je suis venu rester chez toi et puis tu m'as laissé la maison là. Vraiment, moi si j'ai eu une autre maison, moi j'ai parti. Hein. Quelqu'un qui est venu rester à côté d'elle et puis t'a laissé la maison. Donc, c'est comme ça, il a dit, bon, il a commencé à prier Dieu. Il a dit, si c'est vraiment, cette fois-ci, Dieu n'est qu'à me donner femme. Tu vas me comprendre, je vais rester avec elle. C'est que je comptais sur elle, je suis venu rester à côté d'elle, elle m'a laissé ici pour aller rester à Bassam. Donc, il a fait comment? Donc, quand je viens ici, pendant la veillée, il la voit ici. Tu viens la veillée ici. Voilà, il la voit ici. Quand on finit la veillée, il la voit, il la salue. Donc, est-ce qu'elle me calcule même? Elle ne me calcule pas. Donc, ça me fait mal. Je dis, donc, si c'est ça, en tout cas, dès que je gagne un peu de l'argent dans ma main, moi, je vais peut-être ça. Si il libère la maison, elle va revenir en gré. Parce que je suis venu rester à côté d'elle, elle m'a laissé la maison. Elle est partie. Donc, c'est ça, quand on a fini. Comment on a fait? On a déménagé en gré là-bas. Mm-hmm. On est venu dans le nouveau coin à Saint-Viateur. Mm-hmm. Un jour, on était en train de faire les travaux. Je ne suis pas parti au travail. On est venu faire les travaux de l'église. C'est ça, les mamans m'ont demandé qu'il y avait une soeur que maintenant même on la voit plus. Il dit, qu'elle a passé là-bas. Il dit, je vais venir. Ils m'ont demandé, quand on vous a vu à l'église là-bas, je pensais que c'est ta fiancée, que vous êtes ensemble. Il a dit, vraiment, c'est maintenant que je commence à marcher. C'est maintenant que tu as déposé ton dossier. Voilà. Histoire de t'analyser. Donc, affaire là, si vous nous voyez plus ensemble encore, affaire là, c'est devenu bizarre. Donc, c'est ça, la maman, les mamans de l'église. Ils m'ont demandé que c'est devenu bizarre comment. Il dit, moi je suis venu rester à côté d'un don, elle m'a laissé ici pour aller rester à Bassam. Donc, après un an maintenant, nous sommes dans 8e mois. Donc, il dit, que tu es venu rester à côté d'elle, que à comment. Et ça, il dit, vraiment, il a commencé même à causer avec elle. De la manière on a commencé à marcher, si Dieu merci que si ça va demain, en tout cas, moi je vais la prendre en sérieux. Mais je suis venu rester. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir là. En tout cas, elle m'a dit que ce que les hommes de Dieu là, on nous a apprécié. Donc, si elle reste à côté d'elle, elle va perdre son salut. Donc, elle a ramassé pour aller rester. Donc, actuellement, pour parler, maman là, bon. En tout cas, quand il me demande ça,
Quand je viens à l'église, on dit, et ta fiancée? Que vraiment, on est venu, mais affaire là, c'est devenu bizarre, qu'elle n'est qu'à laisser affaire là. Mais en tout cas, dans mon cœur là-bas, quand les gens me demandent comme ça, je dis, ah, moi-même, en tout cas, je ne veux plus d'elle, elle-même encore. Mais mon cœur n'est pas témoin. Mon cœur n'est pas témoin. Donc, c'est ça. Ça va évoluer. Ça va évoluer maintenant. C'est ça, la maman. Maintenant, tes affaires ont repris, ça marche bien. Mes affaires ont repris. Voilà. Maintenant, elle est toujours à Bassam. Elle est toujours maintenant, à Bassam. Comment fiancée, elle va arriver? Donc, la maman. Maman Triomphe. Maman Triomphe a dit que. Elle m'a posé une question. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Que voilà comment ça s'est passé. Elle a dit que. Est-ce que tu veux d'elle encore? Je dis, ah, maman, moi, je ne veux plus d'elle. Hein. Mais dans mon cœur là-bas, si je ne fais pas, je fais comme. En tout cas, je fais comme je suis en train de faire un effort, mais là, dans mon cœur là-bas, je l'aime toujours. Donc tu l'aimes, mais tu fais semblant comme si tu ne veux plus. Ouais. Et puis elle a dit quoi? Donc, elle a dit, donc, il faut me répondre que si tu l'aimes là, moi, je vais aller voir les mamans à Bassam là-bas, à faire là. Parce que. À l'église ici, c'est pas comme ça, ça se passe. Donc, je suis allé tourner, et ça, je suis venu à dire que, ah, vraiment, il aime moins, il aime encore. Tu l'aimes beaucoup bien, un peu beaucoup. Il aime beaucoup même. Mais comme elle m'a laissé dans la maison, là, que, ah, je m'en vais la voir à Bassam là-bas, vraiment. Bizarre. C'est bizarre. Donc, maintenant, les mamans ont parlé. Donc, on t'a convoqué. C'est ça, les mamans m'ont convoqué. Je suis arrivé, j'ai vu maman Triomphe et puis maman Sarah. Ils m'ont demandé, c'est ça, je les ai expliqués. Je les ai expliqué comment ça s'est passé. C'est ça, ils m'ont dit, ah, que mon fils, vraiment prends courage. Que si vraiment tu veux d'elle encore, on va mettre ça en prière. J'ai dit, ah maman, vraiment, moi je veux d'elle. Mais quand je m'approche d'elle, ce qu'elle me dit là, vraiment, c'est pas pour moi là aussi. Donc moi, je suis parti. Je suis parti jusqu'à la maman a dit, à chaque fois, elle appelle maman Triomphe, qu'elle a essayé de rentrer en contact avec elle, jusqu'à ça fait un mois. Elle dit, ah, que mon fils, on n'est qu'à rester en prière. Elle appelle maman Sarah aussi, elle dit, ah, que mon fils, c'est Jésus. On est en train de prier. Dieu va faire. Dieu va faire. Il dit, ah, moi aussi, quand je dors comme ça, je dis, ah, Dieu, vraiment, on est parti dans ton église. C'est vrai qu'on a commencé à marcher sur ta parole. Mais, en tout cas, moi, si c'est vraiment, si c'est elle qui est ma femme, vraiment, pour toucher son cœur, elle n'est qu'à revenir en gré. Je viens au. Quand je viens à Bassam comme ça, je viens la voir. On finit matin comme ça, je vais causer avec elle. Elle me laisse même pas le temps même pour causer même avec elle. Elle quitte à côté de. Elle dit, elle ne veut plus me voir même encore. Même. Elle dit, ah, donc, je vais aller rester dans mon coin. Cette fois-ci là, je vais donner ma vie à Dieu, afin de chercher femme. Parce que moi, je suis un gars. Alléluia! Donc, tu dis, tu cherches plus femme. Il dit, je cherche tout. Il va chercher Jésus maintenant. Voilà, il a cherché Jésus maintenant. Voilà. Que, comme il a dit qu'on ne devrait pas rester seul, vraiment, toutes les femmes que moi j'ai fréquentées, ou, comment on appelle, ma femme, elle a, Dieu a prévu pour moi, il n'est qu'à envoyer ma femme. Donc, que celle-là, ce n'est pas ta femme. Que, en tout cas, ça, ce n'est pas ma femme. Donc, c'est comme ça. Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ma prière. Donc, c'est ça, maman Sarah m'a dit, ah, que mon fils, il faut venir, qu'il y a bonne nouvelle pour toi. Le jour elle a dit bonne nouvelle, c'est ton pied touché à la terre. Mon cœur m'a dit, il était même au chantier, même moi, c'est ça, il a dit à propos de la que ah, moi, il y a un voyage à faire, que je m'en vais à la salle. Alléluia. J'ai laissé tout au chantier là-bas, je suis venu laver rapidement, j'ai pris mon sac là. Et puis je suis venu. Ah,
je suis venu et sa maman, comment ça m'a dit qu'elle a essayé de causer avec elle. Que pendant au moins, nous, quand tu es venu ici, ça fait pratiquement 2 mois maintenant que, ah, vraiment, affaire là, Dieu est dedans. Et de, ah, moi-même, quand je suis parti, à chaque fois, je dis, ah, vraiment, quand je m'assois comme ça, à chaque fois, c'est elle seulement que je pense à elle. Je pense à elle seulement. Je pense à elle. Donc, comme la maman dit que, ah, que Dieu est dans l'enfer, en tout cas. Ton cœur est devenu léger. Mon cœur est devenu léger maintenant. Donc, je l'appelle maintenant. Elle me répond maintenant, on a commencé à causer. Comme au début, on était ensemble. Mais elle était encore à Bassam ici. Je dis, ah, ok. Toi, ça ne t'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Donc, je continue à prier Dieu. Nous sommes dans le 3e mois maintenant. Je dis, ah, que si c'est vraiment de la manière les mamans là m'ont dit, que vraiment Dieu est dans l'affaire là, que de continuer de me patienter. Ah, moi, tout le temps que Dieu va m'aider, même si c'est 20 ans, moi, je suis là. Dieu va envoyer ma femme à côté de nous. Donc, c'est ça. Elle m'a appelé et puis j'ai causé avec elle. Et on dit maintenant tout est arrangé. Il m'a arrangé maintenant. Il m'a arrangé maintenant. Il dit, ah, comme ils ont dit, on a fait un bon temps ensemble. Donc, il faut qu'on parle des les trucs sérieux maintenant. Comme ça, c'est ça, il a approché. Les mamans là pour dire que, ah, que ici là, que, comment ça se passe? Elle t'a dit, mais là, comment ça se passe? Voilà, elle m'a dit, comment ça se passe? On a commencé à aller dans les dortes, prendre les feuilles, on allait voir la famille, il y a plus de renseignements, on allait voir la famille, et puis c'est comme ça, c'est parti. Donc, et aujourd'hui, vous êtes là? Aujourd'hui, on se retrouve devant vous. Alléluia! Tu es. Oui, ça c'était un film. Maintenant, qui était loin. Du païen, au moyen païen, au chrétien, au très 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 chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, Anne, bon, toi tu n'as pas parlé beaucoup. Hein. Bon, Anne, donc, quand il venait parler, ça ne te faisait rien quoi. Il ne te disait rien. Bon, sincèrement, j'avais mis mon cœur en Jésus. Et dans le secret aussi, souvent j'intercédais pour lui. Dans le secret, j'intercédais pour lui. Mais vraiment, j'avais plus la tête pour le mariage parce que, comme il a dit, quand on était venu vivre ensemble, on était à la maison là-bas. Et on était en train de préparer même la dot, même dans, quand on était païen. Et on allait voir mon grand frère qui est pasteur de la Voilage. Et il nous a dit ah, que pour procéder à ça, il faudrait qu'on se sépare, il voilà, ne faudrait pas qu'on marche ensemble, on se sépare, pour que ça passe vite. Et c'est comme ça, on avait commencé même à se séparer. Et c'est comme ça que tu as fait ça. 2 semaines dans la prière. Et quand on était dans le intercéder, ce jour-là, il s'est réveillé à 1h, il a prié. Non, il m'a dit de pour prier. Il dit non, je suis fatigué. Donc à 2h, quand je suis réveillé pour prier, c'est ça, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Il m'a montré que si on restait dans ça, on allait rater l'enlèvement. Et tellement ça m'a tellement traumatisé que j'ai dit non. Après le mariage, là, c'est pas que de ça, j'ai raté le salut. Parce que. Il disait que celui qui a vu le lion, et celui qui a entendu que le lion arrive, c'est pas de la même manière. Donc c'est pour ça, vraiment, j'ai tout abandonné. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait, vous voici, mari et femme. Donc tu as la joie. Amen, Dieu passe la grâce. D'accord. Maintenant, tu lui as donné un petit nom. Tu n'as pas regardé dans Cantique des Cantiques. Tirer un nom là-bas pour lui donner. Sinon, il y a des noms qui sont déjà pris. Motema, c'est déjà occupé. Mon amour, c'est déjà pris. Papou, c'est déjà pris. Bon, il reste quoi encore? Paul,
rester moi. Amour, amoureux de moi. Bon, tout ça, ils ont pris. Donc, j'étais cité le catalogue. Bon, donc, pour lui, la vie va dire d'abord. Bon, petit nom que tu lui as donné, tu as souffert. Ouais. Après, t'as sué. Tchis. Non. Persévérant. Bon, maintenant, c'est quel petit nom tu lui as donné? Il a donné. Et depuis on a commencé à préparer la donne là, il appelle plus Anne, il appelle mon cœur est dans la joie. Hey! Yeah! Pro. Non! Attends, fais-y encore. Tu l'appelles comment? Mon cœur est dans la joie. Hey! Réponse intéressante. Mon cœur est dans la joie. Eh, c'est pas pour toi. Ton micro. Toi aussi, c'est pas pour toi. Bon. Et c'est lui qui doit t'appeler comme ça. Hein. Bon, maintenant, pour lui, là, c'est quoi? Eh, attends. Tu veux mettre les bruits ici, le nom. Arrête tes bruits, là. D'accord. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour sa grâce. Amen. Et je veux faire un petit truc. Depuis dans le monde, voilà, dans le monde, je disais au Seigneur que vraiment, celui que Dieu va me donner, il faudrait que ça soit un amoureux de Jésus. Il faudrait qu'il aime Jésus premièrement sur la terre ici. Et Dieu, par sa grâce, il a permis cela. Amen. Je l'appelle, Dieu m'a donné. Dieu donné. Tiens. Je l'appelle Dieu m'a donné. Non, Dieu donné. Dieu donné. Et... Non, bien là, c'est plus de... Mon cœur dans la joie. Dieu donné. La joie est dans mon cœur quand Jésus est mon roi. Maintenant, quand tu as dit, maintenant, Dieu donné. Faut ajouter ça à la chanson. Faut... Je t'ai demandé, tu m'as donné. Oh, merci Seigneur. Et... Alléluia. Quand je t'ai demandé, tu m'as donné, oh merci Seigneur. Je t'ai demandé, tu m'as donné, oh merci Seigneur. Je t'ai cherché et je t'ai trouvé. J'en sais que tu as envie de fêter. Bon, donc aujourd'hui, on va vous bénir. Le Seigneur va vous prendre sous ses ailes. Il va bénir votre couple. Parce qu'ici, là, il y a déjà tous les noms. Il y a en anglais, il y a en lingala, il y a tout. Donc aujourd'hui, Dieu donné, avec mon cœur et dans la joie. Bon, vous allez vous faire face. Ah, le parrain. Est-ce que tu as entendu les noms? Faut que tu nous parles le répertoire. Parce que c'est ceux qui vont venir là, faut pas que quelqu'un va se tromper pour dire les Dieu donné encore. Je t'ai donné, tu m'as donné. Voilà, faites-vous face. Envoyez une Bible, une grande Bible. Hein? Non, je comprends pourquoi dans le mariage attire beaucoup comme ça. Tu es quitté au loin. Oui. Non. Il reste à tout. Tu refuses la prophétie. D'accord. Donc, tu vas répéter à peine. Comme maintenant, elle s'appelle mon cœur est dans la joie. Dans son petit nom. Tu vas dire mon cœur est dans la joie. Mais il ne faut pas, il va changer. Faut pas changer ça là. Même s'il est fâché, il doit dire mon cœur est dans la joie. Et même si tu es fâché, tu peux dire mon cœur est dans la joie. La joie est dans mon cœur. Faut pas quand tu as été fâché, là, tu as dit Anne. Toi, Anne. Anne, si le jour il est fâché, et puis il dit Anne. Tu peux venir me dire ça. Paul, faut leur donner des conseils. Tu as envie.
Alléluia. Donc tu as dit mon cœur dans la joie. Mon cœur dans la joie. Mon cœur dans la joie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Devant le Seigneur Jésus. Devant le Seigneur Jésus. Je te promets. Je te promets. De t'aimer. De t'aimer. De t'aimer. De t'aimer. De te chérir. De te chérir. De te respecter. De te respecter. De vivre avec toi. De vivre avec toi. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à le Seigneur Jésus-Christ. Vienne nous chercher. Vienne nous chercher. Amen. Amen. Faut pas acclamer. On va te dire encore. Je suis qui passe avec toi. Dieu donné. Dieu donné. Je te promets. Je te promets. Devant le Seigneur Jésus. Devant le Seigneur Jésus. D'être une femme soumise. D'être une femme soumise. De te respecter. De te respecter. De marcher avec toi. De marcher avec toi. De prier. De prier. Et de rester toujours à tes côtés. Et de rester toujours à tes côtés. De t'aimer. De t'aimer. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus. Vienne nous chercher. Vienne nous chercher. Et puis ton acclamation est petite au cœur. Amen. Alléluia. Mais je ne comprends pas Paul. Il pourtant les déjà marié, lui il est content qu'on s'en place. Pour toi, pour toi. Là. Paul. Alléluia. On va prier pour lui. Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Père, il t'a plu de donner à l'homme le premier acte de bénédiction qui vient de la vie. Père, c'est toi qui as mis ton esprit dans le cœur de ta servante Anne et de ton serviteur David. Dès qu'ils ont entendu ta voix, ils ne pouvaient plus marcher comme des païens. Tu les as arrachés de la vie païenne. Tu les as envoyés sur ton fer rouge. Aujourd'hui, Père, les voici qui sont unis en ton nom. C'est pourquoi nous te prions au nom de Jésus-Christ sur la déclaration de leur foi, de leur amour. Nous les unissons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ parce qu'ils vont devenir une seule âme, ils vont devenir une seule chair. Nous te prions, ô Dieu, par le nom de Jésus-Christ, tel que nous les soignons maintenant. Nous te prions au nom de Jésus, tes fesses et tes pères, par cette instruction, mets en eux ton esprit. Tes fesses et tes pères, toutes les grâces, les faveurs, les bénédictions et la distinction qui est liée à l'acte de mariage. Parce qu'aujourd'hui, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Mais Père, par obéissance à ta parole, maintenant, tu les marques de ton sceau. Tu les marques de ton sceau. Et que cet acte de mariage, aujourd'hui, nous le posons dans le fondement de Jésus-Christ, le fondement de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de les bénir maintenant, de poser, éternel Père, un fondement joyeux, une abondance de vie, une abondance de fécondité, une abondance et toute la grâce. Père, ce que tu as commencé et que tu as décidé à ton propre Saint-Esprit, dès la fondation de ce monde, relâche toutes ces grâces sur la vie, relâche toutes ces bénédictions sur la vie, et qu'aujourd'hui, ils deviennent un, ils deviennent une seule chair, ils deviennent un, ils deviennent une seule chair, et que Seigneur, leur maison soit une maison pieuse, une maison de prière, une maison de prière. Une maison où on trouve ton nom, une maison où se lève et te répète ta gloire. C'est pourquoi nous les unissons dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces entrailles soient des entrailles fécondes. Et que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit fécond. Et que les serviteurs et les servantes qui naîtront de cette maison, qui naîtront dans cette famille, soient bénis partout. Et que tu bénisses, éternel Père, toutes choses auxquelles ils vont prendre part. Aujourd'hui, Père, par ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, recouvre-les maintenant. Recouvre-les maintenant. Recouvre-les maintenant. Et que cette union, le monde des ténèbres ne le voit pas. Le monde des ténèbres ne puisse pas l'attaquer. Nous solidifions leur mariage dans le sang de Jésus-Christ. Nous le solidifions par le feu du Saint-Esprit. Nous le solidifions par ta nuée maintenant qui est en train de la couvrir. Par ta nuée maintenant qui est en train de la couvrir. Par ta nuée maintenant qui est en train de la couvrir.
Ils sont en train de faire un en toi. Ils sont en train de faire un en toi. D'un seul esprit, d'une seule âme, d'une seule chair, d'une seule âme, d'un seul cœur, à l'unisson. Un amour déportant. Père, maintenant, ces enfants que voici, tous ces serviteurs, ces servantes que tu as prévu qui doivent venir sur terre, dépose-les dans ces entrailles. Dépose-les dans ces entrailles. Bénis les entrailles de ton serviteur. Bénis les entrailles de ta servante. Et qu'ils soient maintenant, Père, outillés par le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, qu'ils reçoivent par la touche de ta main, qu'ils reçoivent cette onction de la fécondité. Cette grâce de la fécondité, cette grâce de l'enfantement, un enfantement comme les femmes hébreuses, qui déverse maintenant l'esprit que tu as déposé dans tes serviteurs, l'esprit que tu as mis dans ceux qui sont conformes à ta parole. Remplis-les de ton esprit, pose-les de la paix, cet esprit de soumission à tes servantes. Rends-la éternel Père, remplis la puissance par laquelle tu viens. Rends ton serviteur éternel Père et inonde-le. Inonde-le de l'abondance, du bonheur, de l'abondance, du bonheur, de la grâce. Et qu'il demeure tous les jours dans la vie, dans la maison de l'éternel. Et que l'éternel aujourd'hui encore, ce témoignage qu'ils élèvent devant ta face, pour ta gloire, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce que tu as accordé, au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Depuis que tu es venu, il a changé ma vie. Cette option de ma vie, c'est pourquoi je le C'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Tu vas prendre une offrande. Tu vas prendre une offrande rapidement. Tu vas prendre une offrande. Toi qui cherches à te marier aussi, tu vas venir moissonner dans la vie. Toi qui as des problèmes de foyer, toi qui as des problèmes de mariage, toi qui viens divorce, toi qui traverses des difficultés dans ton mariage, tu vas venir, tu vas prendre une offrande, tu vas venir s'aimer dans la vie. Allons-y. On n'a pas besoin d'organiser ma bâche. Tu viens en même temps. Tu te lèves, tu viens. Viens s'aimer dans la vie. Le Seigneur sait pourquoi il t'appelle, pour que tu viennes s'aimer. Ne te retiens pas, viens. Viens s'aimer dans la vie. Attends, c'est loin de moi. Oh, Jésus,
Christian tous debout, on va venir pour les accompagner. Alors, quelques femmes pour venir. Jesus.